Bonsoir à tous. Donc ce soir, je vous parle de ma thèse qui concerne l'optimisation du temps de calcul de la propagation d'espèces chimiques en milieu poreux. Et sa principale application est la modélisation de la pénétration des ions chlorure dans des bâtiments de béton armé tels que des ponts ou des digues, ce qui accélère leur vieillissement. Mon objectif, c'est de développer des outils numériques, des méthodes mathématiques de calcul permettant de prédire la durée de vie de ces ouvrages à l'aide de simulations informatiques. La principale difficulté à laquelle nous sommes confrontés est la grande hétérogénéité des matériaux cimentaires. Ceux-ci sont constitués d'eau, de ciment hydraté et de granulats, et il n'existe pas d'échantillon de béton représentatif sur lequel on pourrait effectuer des mesures ou des simulations valables pour un bâtiment entier. Quand on cherche à prédire la pénétration d'agents corrosifs dans un matériau cimentaire, on utilise une équation mathématique de diffusion dite homogénéisée. Pour cela, on remplace le matériau réel par une pâte homogène continue, virtuelle, et la vitesse de migration des ions dans cette pâte est caractérisée par le tenseur de diffusion homogénéisé, qui est un système de nombres qui synthétise la géométrie de la microstructure de béton. Toutefois, le calcul de ce tenseur homogénéisé prend plusieurs dizaines de minutes avec un bon ordinateur de bureau, ce qui est prohibitif quand on veut calculer le tenseur homogénéisé pour un grand nombre de microstructures différentes ou sur un bâtiment entier. C'est là que le modèle mathématique d'ordre réduit, que je mets au point avec mes directeurs de thèse Olivier Millet et Cyril Allery, entre en jeu. Il devrait nous permettre de calculer le tenseur homogénéisé pour une configuration donnée en quelques secondes avec la puissance de calcul d'un smartphone. Ce modèle, cette méthode, qui est déjà utilisée en mécanique des fluides, consiste à résoudre le problème de détermination du tenseur homogénéisé pour un petit nombre de microstructures possibles de béton, typiquement une dizaine. Les informations aussi obtenues sont ensuite triées et un petit nombre d'entre elles, mathématiquement les plus pertinentes, sont sélectionnées pour constituer le modèle mathématique d'ordre réduit. Ensuite, ce qui me concerne, j'ai programmé cette méthode de calcul. Et pour des microstructures simples, comme des microstructures périodiques avec des inclusions solides sphériques, et le gain de temps est déjà perceptible. Toutefois, le modèle mathématique d'ordre réduit n'est pas généralisable au sens où il faut repartir de zéro quand on doit analyser un nouveau bâtiment ou plusieurs échantillons d'un même bâtiment trop éloignés les uns des autres. Et pour remédier à cette difficulté, mes directeurs de thèse et moi-même envisageons d'incorporer d'autres outils mathématiques empruntés à d'autres branches de la physique et de la chimie au modèle d'ordre réduit. Ainsi, nous devrions parvenir, à l'aide d'un petit nombre d'échantillons, à prédire la durée de vie d'un ouvrage de béton armé à l'échelle de quelques décennies, voire de plusieurs siècles ou millénaires. Merci. Merci beaucoup, Antoine. Merci.